T'es pas obligé si tu... Pardon? Voilà, oui. Donc en fait, Jean-Marie, tu as appris le cinéma à la Cambre. Je vais un peu dire quoi. Bon, on voulait faire du cinéma bien avant que j'arrive à la Cambre. Bon, j'avais étudié quand même. Et alors, si on peut dire, les premières années de la Cambre, je... Oui, on apprenait à faire du cinéma parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, mais c'était une section où il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de budget prévu, et il fallait se débrouiller pour faire des films malgré tout. Voilà. Et c'était la seule école en Belgique qui proposait déjà des rudiments, disons, cinématographiques. Non, il y avait le Parc du Gain. Qui avait été fondé par les nazis d'ailleurs. Ah oui. Donc, puis je crois juste avant nous, il y avait eu l'IAD qui avait commencé. Et ah oui, déjà. Après, il y a eu le... L'Insas. Et d'ailleurs, oui, donc, tes envies de cinéma, elles sont venues d'où avant de chercher une école? Tes envies de cinéma, mais spécialement envie de cinéma d'avant-garde? Ça, je sais plus. Ah ouais. Parce que, bon, ce qui est clair, c'est que... Vous êtes tous les quatre des cinéphiles incroyables, c'est-à-dire que vous avez un bagage cinématographique, une connaissance, et vous, au point justement où vous avez surtout écrit sur le cinéma avant de prendre la caméra. Un moment, on peut sursauter. Oui, bien sûr. Vous êtes deux cinéphiles. Non, je me veux cinémaniaque, cinémapoule. les cinéphiles sont souvent tristes comme la pluie. Ouais, les cinéphiles sont des cons. Au sens où l'on entend vraiment cinéphile. D'ailleurs, parce que bon, on voit que c'est des films un peu d'agiprop, hein, qui font partie de ces films qui réclament. Pour Jean-Marie, c'est un peu différent, quoique j'ai vu un des premiers films qui est un film d'animation où il y a quand même où c'est l'art de se pendre. À un moment donné, tu casses quand même du sucre sur une espèce de curé ou d'évêque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Non, ça c'est discours, l'évêque. Ah, ok. Bon. Mais dans vos... Enfin, ce que j'ai pu lire, c'est que vous êtes dans l'avant-garde, mais pas du tout dans l'avant-garde esprit cahier du cinéma. Donc si, je ne sais pas si justement tu... Oui, je crois qu'il faut surtout se remettre en mémoire. Mais le cinéma était une revue catholique de droite à l'époque. Mais il y avait quand même des... N'oublions pas. Ah ouais. Ah oui. Mais à un moment donné, il y avait quand même des militants et justement cinéphiles qui pensaient le cinéma en tant qu'aussi cinéma d'auteur et cinéma de... Non, mais écoute, le cinéma belge, quand on a commencé, bon, il y avait la section cinématographique de... l'éducation nationale, hein, il y avait le service cinématographique militaire, et à part ça, il y avait quelques entreprises commerciales qui s'engageaient dans la production pour faire un film de plus ou moins propagande, et ça s'arrêtait à ça. Le cinéma belge. Il y a eu Gaston Choukens. Oui, il y avait deux, trois
essayait de faire des films. Quoi. Il essayait pas, il réussissait. Oui, oui, mais. Hein, le cinéma colonial. Gaston Choucas, c'est pas que ça. Il y a un film formidable de Choucas qu'on a vu il y a quelques années. J'aime bien Choucas aussi, on lui doit une bonne vingtaine de comédies très épicées. Vive Gaston Choucas. Oui. C'est le cousiné belge, voilà. Un frappadingue qui faisait des films à tout petit budget, des comédies populaires faites pour le public. À l'époque, il y avait plein de salles de quartier. En bruxellois, c'était tout à fait sympathique. Oui, mais il faisait un film tous les 2-3 ans qui se faisait étriper par la critique. Mais ça c'est bien révélateur aussi, c'est que vous défendez le cinéma populaire. Vous êtes le cinéma bis dans le cinéma de genre qui était un peu dénigré justement en général par les critiques intellectuelles. Nous avons tous aimé le cinéma populaire d'abord. Oui. Oui. Par contre, c'est... Tu as quelque chose à dire ? Oui. Tout d'abord, en plus de Gaston Choucas, il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait Edith Keel, qu'il y avait Van der Heijden. Ça, c'est du côté flamand, évidemment. Mais là, c'était film après film. C'était des comédies lamentables qui viennent toutes de repasser sur une chaîne... que vous connaissez peut-être de Eclipse TV. Je rêve de les voir. Mais. Quoi ? Oui. Les ai enregistrés ? Oh. Je les ai enregistrés pour les voir, mais. J'ai passé, ça c'est. Oh.